OSAP 972, l'Union régionale des organismes de services à la personne de Martinique. C'est une association créée en octobre 2014, dont l'objectif est de fédérer, de structurer le secteur et de mutualiser un certain nombre d'outils qui nous permet de faciliter nos prestations et permet de les professionnaliser. Un exemple de mutualisation, nous avons équipé toutes les structures durant la pandémie de matériel comme du gel hydroalcoolique. Donc nous avions une dynamique quand même de structure et de mutualisation des moyens, qu'ils soient financiers ou offerts. Nous recherchons depuis quelques temps une application qui nous permette de badger les prestations à domicile. Depuis quelques mois, nous sommes en pourparlers avec le groupe Orange qui a mis en place ce Mobile and Badge. L'objectif de cet outil, c'est d'aller vers du zéro papier, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous validons les prestations à domicile, nous remplissons des feuilles de présence. C'est du papier, c'est du temps, c'est de la vérification qui sera facilitée par la mise en place de cet outil. Nous sommes prêts à équiper 450 salariés de cet outil, toutes les structures confondues au sein de l'UOSAP. Et ça va sans doute progresser parce que c'est un outil qui est simple et qui fonctionne très bien. Puisqu'il y a une expérimentation de cet outil à l'île de la Réunion et on a de bons retours. Donc la Martinique va expérimenter Mobile Badge d'ici janvier-février.